Alors bonjour, en direct de Aspen, nous sommes au X-Game. On est arrivé, ça fait 4 jours qu'on est là et on a fait la reconnaissance du terrain il y a 2 jours, hier les entraînements et aujourd'hui on refait des entraînements pendant 2 heures. The course was a lot of fun. Yeah. You had to be skill set to be able to read snow and speed and how much speed you needed for the jumps. Some jumps you could overshoot, some jumps you could undershoot. It's really important to get out there and get after it. If you hesitate, you end up messing yourself up. So don't ever hesitate. And have confidence and trust in your skills, in your line, that to know that you know you can finish and you can do it. And it's a lot of fun. Alors qu'est-ce que ça représente pour moi les X-Games? C'est, on va dire, la compétition freestyle de l'année, j'imagine, au niveau mondial. Déjà sur le territoire américain, mais surtout mondial, parce que c'est suivi par des millions de personnes, que ce soit en surf des neiges ou en ski, ou snowmobile, ou en ski assis. Donc c'est cool de pouvoir représenter le milieu du handicap et puis pouvoir montrer un petit peu ce qu'on peut faire, malgré le fait d'être assis. Et voilà quoi, donc c'est cool. Moving on into the medal match. Again, you've got Elliot, Albrecht, Humphrey, and Johan. You see the intensity in their faces right there.